smartphones sont devenus, commencent à devenir assez bons, ils étaient largement moins bons que les appareils plutôt numériques. Mais ils étaient tellement plus pratiques. Disruption, c'est get to the next level, immediately. D'accord? Ça veut être souvent pour moins cher. Dans la disruption, il y a aussi l'idée ne pas forcément être meilleur techniquement, mais better serve customers on at least one basic need and do it 10 times better for way cheaper. Quand, quand les voitures coréennes et maintenant chinoises arrivent sur le marché, elles disruptent complètement. Parce que c'est des prix pas chers qui viennent combler des besoins classiques. On veut se déplacer, on veut se déplacer. Et je pourrais continuer comme ça, des exemples de disruption. Disruption, ça veut dire essentiellement identify one, at least one need that maybe guys like Tayara, we don't serve. Marketplaces don't serve. And focus on it and do it 10 times better. D'accord? Avec les technologies d'aujourd'hui. Marketplace. Tayara, c'est quoi notre business? A marketplace, c'est un endroit où supply meets demand. Talent is a marketplace. Tayara is a marketplace. A souk is a marketplace. Donc, je note la force d'une marketplace. C'est le fait qu'elle devient quasiment leader rapidement. Je vais prendre un exemple. Oublions Internet. Un comme souk, à côté de là, avec les inondations qu'il y a eu, c'est sale, etc. Mais il y a tout. Tout ce que vous voulez. Anytime you want. Anything you want. For cheap. Un comme le magnifique mall à côté. Très beau. Orange, ça se fait plaisir. Il y a beaucoup moins de produits. Or more cheap, or more expensive. More du go, pas du go. Sauf sale ou la super mall. Sauf, je sais pas. Moi je vais au mall pour me balader. Après je vais sauf, je me suis dit. Même chez le mall pour voir les vrais prix. Un marketplace, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'elle gagne? It's about having all the content, tout le supply. Sauf qui est sale, avec tout ce que tu veux pour manger. Donc, that's also what a marketplace. Dans le jargon, on appelle ça network effect. Le fait qu'avec tellement de supply que la demande vient, and because you have demand, then you have supply, and then it turns. Donc, disrupt, c'est penser comment on peut radicalement être meilleur, 10 fois mieux que l'existing marketplaces en main. Et ensuite, marketplace, because you have to create this network effect. OK? Alors, what do we expect by tomorrow, 9 o'clock? We don't expect a full developed website or an app. If you have some prototype, si vous avez quelque chose, c'est bien. Don't spend all your time coding. Code something if you want to code, if you know how to code. If you have a great user experience of drawings or wireframes, it's also good. We expect a concept, an idea about what is the business model. Et on attend aussi how you think you would execute it. Parce que les idées, ça ne vaut rien. Ideas worth nothing. World sharing, as they say in text. World sharing. Only execution. Donc, quand vous, demain, quand on va se revoir, on va se revoir tout à l'heure, d'ici tout à l'heure évidemment, mais quand on va commencer la partie like pitch gaming, you will have to ask all those questions. C'est quoi votre product? Qu'est-ce que vous proposez? On how it is so much better than existing? C'est quoi le business model? And how are you going to execute? Three simple questions. OK? Think about it. Now, d'ici 9h, demain, we are here to help. Donc, il y a une série de workshops qui vont commencer, qui ne vont pas s'arrêter jusqu'à probablement 20h, 21h, 22h, on va voir, qui sont focalisés sur des topics. Okay? Those who help on workshops, come.